Bienvenue sur la chaîne Sigmoé. Cette nouvelle vidéo a pour but de vous présenter l'extension QGIS Déplace ligne sur point par attribut, extension que j'ai développée spécialement pour les utilisateurs QGIS souhaitant repositionner automatiquement des lignes sur des points existants ou inversement, grâce au numéro de point repris dans les données attributaires de la ligne. Dans notre exemple, nous allons étudier le cas d'un réseau d'assainissement constitué d'une couche contenant les regards, ponctuels, et d'une couche contenant les canalisations, linéaires. Malheureusement, comme on peut le voir, certains regards ne sont pas correctement positionnés exactement à l'extrémité de la canalisation correspondante. Dans la couche regard, le champ numregard contient les numéros de regard. Et dans la couche canalisation, le champ regard am-av contient le numéro de regard amont et le numéro de regard aval séparés par un tiret. Nous allons donc lancer la commande déplace ligne sur point par attribut et choisir les différents paramètres de traitement tels que nom de la couche contenant les lignes à traiter, nom de l'attribut de la couche linéaire contenant la référence des points, caractère séparateur des points, nom de la couche contenant les points à traiter, nom de l'attribut de la couche ponctuelle contenant le numéro des points. On peut ensuite choisir dans quel sens le traitement sera réalisé. Soit les lignes sont déplacées sur les points, soit les points sont déplacés sur les lignes. On aurait pu, bien entendu, réaliser l'opération dans l'autre sens. Si l'on reprend notre dessin de départ, en lançant la commande déplace ligne sur point par attribut, mais en choisissant cette fois l'option la ligne est déplacée sur les points, les regards ne bougent pas, mais ce sont les extrémités des canalisations qui sont déplacées sur les regards en fonction des numéros de regards amont-aval. En conclusion, comme vous avez pu le constater, cette nouvelle extension QGIS que je mets à disposition gratuitement vous aidera sans aucun doute à optimiser et finaliser la cohérence de vos dessins dans QGIS. Je vous remercie d'avoir suivi cette présentation. Pour plus d'informations concernant le logiciel QGIS et les formations que je propose, n'hésitez pas à me contacter sur le site internet sigmoé.fr.